Ce truc. C'est... Attends. Ça marche vraiment pas? Oh là là. Attends, comment ça marche ce truc là? Je peux péter hors champ du coup. Attends. Du coup, pas besoin que je ferme mon pantalon, je pense. Oh là là, ça marche pas. Attends. Bah si, ça marche, on est Où complètement ça, bon. ça... Ah ouais, ça marche! Salut! Eh! Ah ben dis donc, salut! Bienvenue à ce tuto cuisine. On a plus de... Salut! Ça fait plaisir. Coucou tout le monde. Alors... Voilà, alors je vais vous montrer comment, bien sûr, enlever les poils des vêtements grâce à cette brosse. Cette brosse toute particulière, cette brosse qui s'utilise. Attends... Est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous nous entendez? Ouais. Coucou, salut. Est-ce qu'on nous entend bien? Parce que l'enfant ne L'enfant ne dort dort pas pas. encore. Il y a un petit laps de temps. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. Hey, salut, Salut. Hugues. Ah oui, on On nous nous entend. entend. Ah, Merci. merci. Voilà. Merci à toi d'être la seule personne qui nous dit que tu nous entends. Voilà. Salut! Bonsoir. Voilà. Donc, on teste juste le live pour voir comment ça marche. Voilà. On va attendre peut-être que d'autres personnes nous rejoignent. Non, vous êtes bien assez nombreux pour Hey, ça. salut! Salut. Ah, c'est trop bien! Attends, attends, je vais pas faire ça parce que si on m'approche comme ça, on voit mon gros nez. Le mien est plus gros que le tien. Je vais prendre mon téléphone pour voir qui arrive. Et du Mais coup, non, on voit très bien là. Salut. ouais, mais si je suis en direct, on est complètement nul à ce truc-là, hein. Ouais, et puis toi, t'es à moitié. Faut que tu rentres un peu plus dans le cadre, hein, parce que voilà. Ou va-t'en, sors. Voilà. Va là-bas. Va voir si on te. Peut-être Salut là-bas, tout le tu monde! serais mieux. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire cuire des patates douces. Salut, Ulrich. Les Les patates patates douces, douces, parce que c'est salut la seule Raphaël. purée que notre fille mange. Exactement, exactement. Alors comment faire cuire des patates douces? C'est extrêmement simple. Il suffit Ah bah je d'aller voudrais bien entendre ça! dans un supermarché et d'acheter un petit pot tout fait. Voilà, c'était la recette cuisine d'aujourd'hui. Voilà. Bah, on est content de vous retrouver en tout cas, parce que on arrive bientôt avec la saison 3, La enfin, saison 3 de Ton père est un con, qu'on a mis 6 ans à tourner. qu'on a mis un an, on a commencé en juillet l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier quand on a commencé à tourner la Ça, nouvelle c'est saison. quand Karen dit une bêtise, bien sûr, je lui tranche un doigt. Par quel doigt allons-nous commencer, Karen? Je te le demande. Du coup, j'ai plus de doigts. Combien on est? Oh, on est 5, mais qu'est-ce qu'on est nombreux ce soir! Super. Donc la saison 3, on a commencé à la tourner l'année dernière, buzz vivement la saison 3. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Mais du coup, avec le confinement Il n'y a et pas écrit buzz, l'enfant... il y a écrit bise, mais apparemment, voilà. Oh putain, faut que je mette mes lunettes. En termes de lunettes, Karen, je te propose d'aller chercher tes lunettes pour Oui. réussir à lire ce que les gens nous disent, Je vais parce que voilà, chercher mes lunettes. on est tous un petit peu coquets, mais moi j'ai mis mes lunettes. Voilà, j'en profite pour vous dire que j'en peux plus. Hein, si vous avez des secrets, des astuces pour me débarrasser d'elle, n'hésitez pas. Voilà, chérie, tu es de retour. Et voilà, elle voit, ça y est, parce que c'était un peu gênant Est-ce qu'on d'être avec une s'approche de la petite personne. quarantaine? Ah oui, Exactement. Et bise. moi, je l'ai dépassé déjà. Voilà, c'est un secret. Il est toujours aussi. C'est vrai. Je suis toujours un petit peu. D'ailleurs, je tenais à vous montrer ce petit appareil magique, écoutez, qui permet d'enlever les peluches. Vous savez, des fois, on n'avait plus là. Et il y a des peluches dessus. Et grâce à ce petit appareil, Michel. Il y a Emeric qui nous dit, il est toujours autant con. Ah bah Oui. oui. Aimerait qu'il se souvienne qu'on faisait des téléboutiques achats ensemble. Voilà, on vendait des objets inutiles comme ça sur des petites vidéos. On aurait pu se faire des couilles en or, mais malheureusement, on a décidé de ne pas s'en faire. Voilà. Alors, Donc, cette Karen. saison 3, elle arrive bientôt. Là, sur le feed, on vous envoie régulièrement les derniers épisodes de la saison 1. Ensuite, on va faire la saison 2. Est-ce que tu peux parler moins fort parce que tu me parles directement dans l'oreille et j'ai qu'une envie, c'est d'utiliser mon hachoir, bien sûr. Mais c'est pour qu'ils m'entendent. Ah. Et donc, du coup, bientôt, on arrivera avec la saison 3. Avec, eh bien, Micheline, avec quel thème dans Eh cette bien, saison les 3? thématiques toutes particulières que nous allons vous annoncer Parce qu'on immédiatement. a beaucoup Ah, préparé non, ce parce qu'en fait, live. mon ordi n'avait plus de batterie, donc j'ai pas pu noter tous les titres des épisodes. Ah.
Il y aura notamment l'anniversaire. Hein. Comment préparer l'anniversaire d'un enfant aujourd'hui? Comment nous, les papas, nous subissons la préparation d'un anniversaire à travers la maman, hein, qui veut toujours en faire des tonnes, malheureusement, pendant que nous, nous buvons des bières et nous faisons cuire la viande au barbecue, bien sûr. J'ai trop saigné les épisodes de la saison 1 et 2. J'ai trop saigné. Ouais, je pense que ça fait saigner certaines personnes. Ouais. Moi, j'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop saigné. Allez, vas-y, redonne les thèmes de la saison 3. Il y aura également les dodos qui restent compliqués à tout âge, j'ai l'impression. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes sur la difficulté d'endormir vos Salut, enfants... Salut, Johan. Autrement qu'à travers une batte de baseball ou bien sûr un gourdin. N'hésitez pas à nous faire part de vos secrets. On parlera aussi des repas. Les repas, évidemment, qui est toujours un moment très compliqué. Hein. J'ai un pote il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'à 10 ans, il continuait de forcer ses enfants à manger. Donc, je peux vous garantir que je prendrai un avion prochainement pour quitter la vie de famille et voilà, ne pas m'imposer toutes ces choses-là. On parlera également de la diversification alimentaire, essayer de faire, de donner à manger à ses enfants des choses qu'ils ne veulent pas manger. Hein. Ça, c'est génial, c'est la vie de parents. Surtout dans un monde où aujourd'hui on nous dit que tout est mauvais pour la santé, ce n'est pas facile. On parlera également de la punition. La punition, bien sûr. Ah non, nous on ne punit pas notre enfant. Ah non, pas bien, pas bien. Le hachoir, bien sûr, qui nous permet de menacer notre enfant à tout instant, évidemment. Non, on ne menace jamais un enfant. Pas du tout. Pas de chantage. On ne menace pas, on le frappe directement. C'est important de savoir éduquer son gamin. Voilà, si vous aussi vous avez des secrets... Ah ouais, est-ce que vous avez des secrets pour que votre enfant, parce que nous en ce moment elle arrête pas de dire non tout le temps, on ne sait pas quoi faire à part la gifler et la enfermer dans la cave. Exactement, alors je vous avoue que voilà, avec l'âge je me suis fait une petite tendinite au poignet, donc j'utilise principalement le revers de gifle, alors ça fait les petites marques à cause des os qui se situent ici. Voilà, les boxeurs le savent bien. Voilà, donc si vous avez des astuces qui permettent de ne pas laisser de marques surtout, parce qu'aujourd'hui, on est mal vu dès qu'on met une gifle à son enfant. Moi-même, je... Voilà, tu vois, regarde, ah, les doigts dans les portes. Les ah, c'est dans pas les mal. Portes, ça, salut, c'est super. Jeff Stan. Merci. Ça, c'est pas cool du tout. Regarde, j'ai une tête bizarre quand j'essaye de lire les commentaires des gens. Là. Mais en fait, tu as tout le temps cette tête, Karim. je tenais à te l'avouer. Aujourd'hui, on est là aussi pour dire les choses très franchement. Oui, alors sans tabou, hein, sans disons tabou. Les choses. Exactement, sans tabou. Voilà, alors confinement, depuis quelques temps, les écoles sont fermées, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour occuper vos enfants? Ah, il y a Emric qui nous dit « Je me suis mis à la savate, beaucoup moins mal aux mains. » C'est pas bête, ça. J'adore en plus les jambes. Regarde, regarde. Non, mais je les vois, moi, les coms. Hein. Oui, mais regarde. C'est dingue, non? C'est incroyable. Ça s'appelle une mise en abyme. Moi, ça me rend fou. Un exomile, pour... évidemment. Bien sûr. Je crois qu'il m'en reste quelques-uns. On va diluer ça dans son eau minérale, hein, puisqu'en plus, vu qu'elle ne boit que de l'eau, pas de jus d'orange, elle n'a pas encore compris que le jus d'orange était bon, alors que dans quelques années, elle va me tanner pour boire. Je bois du jus de raisin au centre. Elle fait croire qu'elle boit du jus de raisin. En fait, elle boit 3 gorgées de jus de raisin et puis elle arrête. Mais t'as vu, elle a quand même ce truc super mignon. Quand elle boit le jus de raisin, elle fait genre pour que tu puisses te dire « Ah, c'est bien ma chérie, gnagna. » Et puis juste après, oui. T'as dit « J'en veux plus !» Elle a envie d'aimer ça, comme le chantait si bien Daniel Lévy, l'envie d'aimer. Les 10 commandements. Non, pitié. C'est tellement simple. Bien sûr, un concert demain en live également. Le lancer de nain. Ça, le lancer de nain, c'est bien c'est ça. C'est pas con. Je crois, remarque, avec la force centrifuge, d'attraper un gamin par le plus dur, c'est de démarrer. Une fois que c'est bien lancé, je pense que tu peux lancer un gamin très très loin. Oui, mais il faut faire attention parce que sinon, il y a un luxage d'épaule qui peut se voir si l'enfant est fini par courir comme ça. Ah oui, c'est vrai. Après, ça remonte à la direction, tout ça. On peut avoir des problèmes. Ouais. Ouais. Mais les flics utilisaient des bottins dans les années 80. Salut Aurèle. Salut. Faut dire bonjour aux gens qui arrivent au fur et à oui, mesure comme oui, ça. Les gens disent oui, c'est vrai. Il est 21h30, 21h30, voilà, c'est déjà fini, 40. Non, on a refilé Elliot à ses grands-parents pendant 2 semaines. Alors ça, bien joué. Bravo. Bravo. Alors, moi, au niveau des grands-parents,
Ce Alors, au niveau des grands-parents, comment ça se passe? Moi, j'ai un de mes deux parents qui ne peut pas garder ma fille pour cause de décès. Et le deuxième grand-parent, je ne me confierai pas à lui. Voilà. Et toi, au niveau de tes grands-parents, moi, ma ce mère, côté-là? elle s'est fait opérer de maman. Elle s'est fait opérer de la hanche il y a quelques jours. Donc, Aïe. C'est devenu une sorte de pirate. Donc, pour l'instant, c'est pas possible parce Jambe qu'elle de bois boitille de la jambe. qui a yoyote pas mal. Et mon père. Salut Rémi. Salut! Et salut à tous ceux à qui on n'a pas fait coucou. Et mon père, il se balade nu sur les plages au Cap d'Agde. Ah oui, c'est vrai que son père habite au Cap d'Agde. Voilà. Moi aussi, avant d'y aller, je pensais choisis pas sa famille, hein. Je choisis pas ses parents, je choisis pas ses... Non, ça suffit. Mais je vais chanter toutes les capitules. Non. Avant de rencontrer son père, avant d'aller au Cap d'Agde pour la première fois, je pensais vraiment apparemment ta mère une très mauvaise réaction. Arrête. Apparemment, elle le prend nom très, de très code mal. De papa rejoint. Salut, nom de code de papa. Salut. La baie des cochons. Ah bah oui, Cuba, voilà, la Russie, tout ça. Cuba libre. Oui, la baie des cochons, bah oui, le Cap d'Agde, exactement. Voilà, t'avais pas capté. Non, j'avais compris immédiatement. Moi, j'ai aucune culture. Et en fait, non, les gens portent des vêtements là-bas. Voilà. Ah, Mélanie a rejoint la vidéo. Salut Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie, bienvenue. Merci de nous rejoindre Mélanie. T'as un truc à nous dire sur Mélanie? Eh bien, voilà, je vais le dire à tout le monde. De... Mélanie. Arrête, je crois que ça la ferait pas rire du tout. Nom de code papa, salut. Ainsi que les blagues, salut. Alors... On a quand même un truc à raconter pour les parents qui ont des petits bouts encore pas super grands, parce que ça, il faut quand même en parler. Hein. C'est... Ah pardon, ça me fait ça chaque fois que je Non, parle. Parce que je sais, je le vois, hein, qu'il y a des gens qui ont des tout petits enfants. On a découvert un truc, notre fille a eu un truc à Noël qui est génial, c'est un lecteur CD. Et oui. Alors pour le confinement, c'est très simple, on la fout dans sa chambre, on lui met plein de CD qu'elle écoute en boucle. Voilà. D'ailleurs, quel prix ça coûte ça, Et elle est en kiff. Alors ça, alors on ne fait pas beaucoup alors, de pubs. Ne crie pas aussi fort parce que la petite va se réveiller. Hein, voilà. On ne fait pas beaucoup de pubs, ça coûte ça. 6 balles, ah, 6 balles sur un site... Voilà. Parce qu'elle, elle achète, moi je ne sais pas trop. Éthique, non, ne dis pas où tu achètes ça. Hein. Tout le monde a bien compris ce que tu voulais dire par là. Et en même temps... Le cap, il va aux soirées beau papa. Alors ah, il y a peut-être. Ça, c'est possible. Ton père a la teub à l'air sur le fond d'un bateau. Ouais. Salut les amis. Bonjour, bienvenue au Cap. Oui, puisque mon père vit sur son bateau. Et apparemment, il parle comme Jean Reno. Oui, la musique, c'est génial. J'adore me beurrer la biscotte. On découvre avec le live qu'on reçoit les messages vachement en retard. C'est ça. Donc c'est un peu triste. Pas d'excuses, voilà. Pas d'excuses pour nous. On va s'y habituer au fur et à mesure. Exactement. Parce qu'évidemment, on va faire des lives tout le temps. Hein, parce que maintenant, confinement, vie de parents, pas de vie. Je préférerais me couper un doigt plutôt que de faire ça tout le temps. Pardon. Bienvenue à tous une fois de plus. Alors. On en est où exactement? On en est où? On devait parler de quoi? Oh là 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 là! On était sur les thèmes. On était sur les thèmes. Mais oui, mais les thèmes de la saison 3, on les a. Est-ce que vous avez des questions? Oui, qu'on va recevoir. À l'occasion, vous lui mettrez un petit coup de polish. Et sinon, vous en êtes où de la tétine? Ah! Bonne question. Merci de suivre. Alors, je vous laisse écouter Karen qui va vous en parler avec passion. Eh bien, en fait, à Noël, elle a laissé ses tétines au Père Noël. On a fait 7 jours sans tétines. Il s'est avéré que ça a été très compliqué pendant 7 jours. Et le Père Noël étant super sympa, il a fait une dérogation sur la tétine. Et pour le coup... Elle a récupéré une tétine, voilà, uniquement pour le soir, pour la nuit. Oui, parce qu'elle est enfermée dans un bocal qui ne s'ouvre uniquement que le soir, parce qu'il y a un code et tout ça, enfin il y a un truc... On a inventé un truc très bancal, mais l'avantage de ce stage-là, c'est que on peut avoir des histoires bancales, ça tient la route. Hein. C'est ça, comme ils sont un peu finis au pipi au début, et ben pour le coup, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, malheureusement, elle aura 4 ans dans... 15 jours. Déjà. 3 semaines, 15 jours. Et encore une tétine la nuit.
J'avais dit que je partirais d'ici avant ces 4 ans. Voilà, je suis encore là pour la famille, bien sûr, cette valeur moderne. Salut à ceux qui nous Coucou à tout le rejoignent. monde. Oh, vous avez loupé plein de trucs. On a annoncé qu'on allait sortir la saison 3 de nos petits épisodes de notre petite vie. Et j'ai montré mon slip. Et ça bite. On n'a pas le droit de dire ça. Malheureusement, Karen va me demander de partir parce que tu ne respectes pas la charte Instagram Live. Je vais également te trancher un doigt à l'aide de cette hachette. De ce hachoir qui a l'air tout à fait vrai, bien sûr. Exactement. Ouais, il a fait ses preuves, hein. Alors, Voilà. est-ce que vous avez des questions à nous poser? Parce que la tétine, merci, hein, bravo, super question. Hein. S'il y a des gens qui ont des meilleures questions, ou des Non, cette questions. question était très Ah, bien. mais cette question était très bien, mais tu vois, il faut monter en Ah level, oui, du si vous coup. avez des questions, notamment sur comment toujours enlever les bouloches sur les pulls, bien sûr, cet instrument que vous trouverez sur M6 Boutique pour la somme modique de 19,90 € bien sûr. Ils n'ont pas de questions. Des questions, des questions, C'est des normal. Alors questions, attention parce que des là il va y questions, avoir des des blancs questions, et on des va perdre questions. des gens. Alors il y a On a d'autres perdu des gens. ustensiles, Karen, qu'on a utilisés pour occuper l'enfant pendant ses vacances et Hein? notamment les cahiers maternels. Et oui, cahiers maternels avec toutes sortes d'activités, voilà, qui peuvent faire. Alors ça, si on regarde bien, je suis désolé, mais la trace des autocollants là, la silhouette. Je ne veux pas savoir quelle sorte d'autocollant c'était, mais je suis un petit peu, je suis un petit peu inquiet. On a une question. Oh la vache! Ah Quand, ouais. après une fessée, l'enfant te dit je n'ai rien senti, tu fais quoi? Alors apparemment, ça c'est un enfant qui aime la castagne. Ou qui a déjà regardé 50 nuances degrés. Et là, c'est à toi que je parle, jeune papa. Ah oui, là faut faire attention. Ou alors évidemment, qui est fan des films de Steven Seagal. Il y a Jeremy Bracco qui nous a rejoint. Hey, Hey! salut! Salut Bienvenue à Las Braco! Vegas! Je serais plutôt rassuré par un enfant qui me dit qu'il n'a rien senti. Comme ça, je me dirais Par la fessée? qu'il est costaud, hein, que c'est quelqu'un qui va bien endurer la vie. Mais pour le coup, je le taperais évidemment encore plus fort pour qu'il se calme enfin. Voilà. Ah, tu vois, Jérémy, il a une bonne. Lui, si l'enfant il dit que. Il en remet Il en 12 remet 12, et il a bien bravo! raison. Voilà. Parce qu'on Salut à ceux qui arrivent! ne va pas se laisser avoir par ces sabots. Voilà. Alors, D'ailleurs. après la tétine, après la fessée, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Alors ça, le jouet, c'est pas le jouet de notre fille, hein, c'est son jouet à lui. Ah oui. Oui. Elle veut pas que je donne des objets dangereux à mon enfant. Je ne vois pas pourquoi. Heureusement, quand elle n'est pas là, je la laisse jouer avec le set de couteaux de cuisine, bien sûr, et les couteaux qui coupent tout, notamment les pneus. Tu fais semblant de lire tes fiches? Exactement, je suis comme dans les émissions. Eh Alors, tout de bien, suite, bonjour. des nouvelles du confinement, toujours des chiffres alarmants. Bien sûr, pas de retour à l'école dans 3 semaines. Évidemment, on peut toujours se tripoter la nouille. Exactement. J'ai rien senti de Rien titre. senti. Titre. Voilà. Ça y est, moi, j'ai Allez. plus d'énergie. Hein. Ça fait 10 minutes qu'on est Non, ça là. fait pas 10 minutes, ça fait pas mal de temps. Hein. Ça Ça fait fait combien de temps? 18 minutes. 18 minutes. Écoutez, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, j'ai chaud aux cheveux. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes parents qui ont des questions sur la parentalité sans tabou, la parentalité positive? Faut-il parler avec bienveillance à son enfant? Le four à micro-ondes est-il une option dans l'éducation de l'enfant? Combien d'heures de télé par après-midi? Également, doit-il commencer l'alcool à 6 ans? Voilà, toutes ces questions, vous pouvez nous les Il y a poser. peut-être un bug. Hein. Comment ça? Mais regarde, Mais il n'y a non, plus. mais je t'ai dit, il ne faut pas t'occuper de ça parce que c'est très mal fait. En fait, voilà, on découvre que le live a quand même ses petits bugs. Pourquoi? Là, tu vois, c'est faut-il noyer son chagrin dans l'alcool? C'est une question réelle. D'ailleurs, nous devions boire une bière ce soir et nous ne l'avons pas fait. Non, on devait boire une bière, mais en fait, on n'en a pas. Hé, hey, salut Katia! Hey! On a Le préféré. Tarn-et-Garonne nous a rejoint ce soir, mes amis. Exactement. On a préféré manger des gros Eh bobounes. ben, j'ai une question, parce Ah. que je suis sûre qu'elle nous la poserait la question.
Dit-on pain au chocolat ou chocolatine? Ah, voilà une vraie question. Alors, tu dis quoi, toi? Alors, attention, parce qu'il y a des gens du Sud qui se cachent dans ce chat. J'en ai repéré au moins 2-3. Alors, avez-vous de bons conseils pour occuper les enfants pendant le confinement sans devoir être près d'eux? Eh oui, alors, deux options, bien sûr. Un abonnement à Canal+. Voilà, excluant la télévision, bien entendu, Karen. Donc, je parle comme un animateur télé, en fait. Hein. Je découvre le bonheur. Ces petits livres à 6 balles qui permettent de laisser son enfant écouter une histoire. Et aussi... un CD. Ouais. Histoire. Et la petite boîte Luni. Ah oui, la Fabrique à Histoire. Ouais, la Fabrique à Histoire, c'est vachement bien, ça. Là, attention, je suis premier degré. La Fabrique à Histoire, c'est super bien. Mais alors, il y a des enfants qui n'ont pas la patience de rester avec. Ah, on a une battle chocolatine, pain au chocolat. Chocolatine, pain au chocolat, croissant au chocolat, pain au chocolatine. Pain au chocolatine, voilà, merci. C'est quelqu'un qui a rejoint l'hémisphère sud, mais qui défend encore un petit peu le pain au chocolat. Et merci à toi. Quelqu'un qui a besoin de soleil tout à fait, mais c'est vrai que on dit pain au chocolat, on va pas se mentir, hein, chocolatine, pain au chocolat, c'est mignon, mais ça n'existe pas. Alors, autre objet pour occuper l'enfant, ces petits cahiers qui sont hyper pratiques, les cahiers maternels. Alors, Karen, t'en as acheté un parce qu'elle a cru que notre fille avait 12 ans. Voilà, ce oui, qui n'est alors, celui-là est beaucoup plus simple. J'ai acheté un truc 3 à 6 ans. Il y a des trucs un peu trop élevés, hein, pour rappel, baisse-le un petit peu. C'est assez ludique. Jour, nuit, jour. Voilà, pardon, c'est assez pratique. Je ne connais pas cette ref. ça, c'est assez simple et en fait, c'est assez joli. C'est pas rébarbatif, c'est pas barbant, c'est pas. Même lui arrive à faire les exercices. Même moi, j'arrive à faire l'exercice. Ouais. J'ai réussi d'ailleurs à coller ce chat sur la table. Avec une justesse non dissimulée, je ne vous le cache pas. Voilà. Non, ils sont vraiment bien ces petits cahiers. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Au pire, ce sera pas grand chose de perdu, mais ça marche plutôt bien et je les trouve plutôt cool. Ouais. Voilà. Bon, il y a juste un petit inconvénient, c'est qu'il faut être à côté pour superviser le truc. Ce que tu demandais tout à l'heure, c'est être tranquille pendant qu'on fait autre chose. Vraiment, les livres CD, mais c'est hallucinant parce que c'est toutes les histoires de Disney, de princesses, du Roi Lion et tout ça. Et en fait, ils sont cloîtrés dans leur chambre pendant 15-20 minutes d'histoire. Il y a les vrais dialogues des Disney. Et pour le coup, elle est captivée par ce truc-là. Et nous, on est tranquille à côté à siroter des mojitos. Là, tu vois, Lady Seravioli, elle dit qu'elle en a plein et que les enfants adorent. C'est vrai que c'est chouette. Et je les trouve un peu courtes, les histoires, mais elles sont plutôt bien racontées avec des voix de comédiens professionnels donc qui savent ce qu'ils font. Voilà. Il en existe plein. Bon, celui-là, il est un peu plus cher. Tout ça parce que c'est des princesses. Celui-là, il nous a coûté 12 balles. Cloîtré. Oui. Sinon, encore, si... on a installé du barbelé autour des fenêtres pour pas qu'il s'échappe. Il y a un super truc qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Maintenant que notre fille est en âge de ne plus abîmer les bouquins, on a un abonnement à la... Au Taser, on a acheté un Taser. Non, à la médiathèque. À la médiathèque. Ah oui, ça c'est impressionnant quand même. On peut prendre je ne sais pas combien de livres CD, de CD, de livres à écouter, machin, tout ça. Toutes les semaines, c'est gratos. Franchement, c'est génial. Avouez que vous l'enfermez à clé quand elle est dans sa chambre à écouter ses CD. Mais bien sûr, enfin... Oh là là, sous l'escalier, dans le placard, là. Une piñata de 1m15. Je m'étonne. Mais ça peut être intéressant parce que ça les défoule. C'est-à-dire qu'ils frappent l'objet pendant... Elle peut pas... Tu vas arrêter de regarder ce téléphone tout de suite. Je regarde. Tu peux immédiatement aller le regarder. Par ce geste très simple. Et je suis censuré par Instagram dans moins de 5 minutes. Votre live a été arrêté pour cause de meurtre en direct, bien sûr. Allez, ce cadavre qui pèse un peu lourd. Voilà, enfin tranquille. N'hésitez pas à envoyer vos numéros de téléphone pour remplacer Karen si vous êtes une femme. Ah, bah, bon courage hein, pour la femme qui va vivre avec lui. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bah, ça s'appelle pas ton père est un con pour rien. Je suis d'une sympathie exemplaire. J'ai été plusieurs fois. Salut les nouveaux. Voilà, salut. Non, alors moi je suis plutôt d'accord pour que l'enfant réclame l'apéro, ça veut dire qu'il a capté dans son éducation que c'est un moment festif, même si lui il boit pas encore d'alcool, je trouve ça plutôt rassurant. Ouais, elle aime bien faire chin-chin.
Ouais, et en fait, il y a un truc un peu de sociabilisation, je pense, dans l'éducation. Et je crois que c'est aussi ton neveu Qui adore l'apéro, qui se réjouissait de l'apéro, qui ouais. adore les cacahuètes, qui adore bouffer de la merde en fait. Qu'est-ce que Parce je que c'est fous, ça, moi? hein. Un rouleau à poil, j'ai. Eh Oui. bien, en fait, non, mais en fait, l'apéro pour les gamins, c'est génial. En fait, ils voient les gamins qu'on est hyper relax. Déjà, on commence par boire de l'alcool, donc voilà. Et puis, ils peuvent bouffer de la merde et des chips pendant De la 2 heures. quoi, Karen? Je te rappelle Du qu'il y a caca. des. Voilà, on est poli quand même, hein. Je suis pas le dernier à dire des gros mots. C'est C'est culturel, culturel, c'est mais vrai. oui! On est français, enfin. Du rhum, des femmes Vous et de me la régalez tous les viande deux. Ah, oh, de. merci, c'est trop Merci sympa. Betty, toi aussi tu nous régales. Envoie-moi directement en MP tes coordonnées afin que nous bâtissions une nouvelle famille tous les deux. Que vous avez d'autres questions à nous poser? Parce que bon, à un moment donné, c'est notre premier live, on n'est pas super, super Tu me préparé. fais très peur, Karen, juste un instant. Voilà. Donc, Et bien allez-y, sûr. posez-nous des questions. Qui nous a rejoint? Matt 77000. Salut Mathilde, et à gagner ce soir, bien sûr, ce stylo bic, bien sûr, qui a fait ses preuves, puisqu'on l'utilisait déjà dans les années 80. Voilà. N'y a pas de questions. Il n'y a pas de Non, il questions. n'y a pas de question de toute façon avec le décalage. Karen, je te rappelle que nous recevrons des questions dans 20 minutes, bien sûr. Voilà. Ouh. Hey, salut! Personne qui... Alors Alors, la suite donc, des notes, bien sûr, exactement, parce que là, ça y est, voilà maintenant. pour ceux Tout à qui sont fait. arrivés il n'y a pas longtemps, au tout début, on a annoncé qu'on allait balancer notre saison 3 Ah dans pas oui, longtemps. c'est vrai. Voilà. On peut répéter. Et si on se faisait une sorte de conducteur où on répète les choses à peu près Pas de bras, pas de tous les quarts chocolat. d'heure? Hey, salut! Salut cousine. Pas de bras, pas de Pas de chocolat. chocolat. Voilà, n'hésitez pas. Pour les restes de Pâques, évidemment, il y a beaucoup de chocolat qui reste dans des saladiers. Les enfants insistent. Bon, bah voilà, il faut attacher leurs bras ensemble ou à un arbre ou à une chaise pour les empêcher, bien sûr, de grignoter du chocolat toute la journée. Donc dans la saison 3, on aborde le confinement, le rôle des parents, comment organiser un super C'est mon anniversaire. épisode préféré parce qu'on les a déjà montés. C'est moi qui l'ai écrit. C'est Karine qui l'a écrit quasiment toute seule. Voilà. Et c'est mon épisode préféré. Voilà, comment aborder la diversification pour les enfants sans leur faire manger que des frites comme ça dans la bouche en une fois. La punition, est-ce que vous punissez vous aussi vos enfants? Vivement la saison 3. Ah, c'est trop mignon, Elle écrit merci. vite la saison 3. Toujours Karine avec des difficultés de lecture. Qui était déjà signalé dans son carnet de correspondance à l'école primaire. Et apparemment, ça continue. Karen, je te propose d'enlever ces lunettes qui ne corrigent absolument pas ta vue. Voilà. Tu seras mieux comme ça. Et non, on censure toujours notre fille. Voilà. On a peur de se prendre un procès dans 10 ans quand les enfants vont tous s'unir entre eux pour créer un consortium et ainsi. Contre tous les parents qui auront osé montrer leur tête. Il y a un avocat qui va se dire dans 10 ans, ah mais les gars, Il y a un truc à se faire on a là, de la non? thune à se faire si on faisait un truc On là va où. contacter tous les gamins là, qu'on fait des recettes avec les parents, qu'on fait des dessins moches, qu'on fait des collages avec des cartons de papier toilette. Il y a de l'argent à se faire, les gars. Ouais, Tous exactement. les enfants de la télé-réalité là. Mais on entendra sa voix, hein, parce qu'évidemment, il y a des effets spéciaux dans cette saison 3. Oui, des effets spéciaux plein. Voilà, des voix enregistrées qui. Ah, c'est gentil ça. Frère Malheur sur scène. Bah, j'écris la pièce Ton père est un con avec Karen, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et on allait faire une lecture avec des comédiens Et un juste producteur. avant, voilà, juste avant que le Confinement. confinement commence. Et. Je l'aide, hein, c'est une vieille personne. Mais non! Mais non. Et voilà, c'est parce que je réfléchis en même temps à ce que je dis. Et du coup, bah, pour le moment, c'est en stand-by. Mais Mais oui, on aimerait bien faire la pièce ouais, Ton père est un dès con. que là, ça repart un petit peu. C'est pas un Voilà. truc urgent. Mais en tout cas, on a écrit une sorte de résumé. Enfin, un mix de la saison 1 et 2. Avec un personnage en plus qui est le personnage de la belle-mère. Évidemment, dans la grande Oui. tradition des pièces de théâtre. Mais c'est vraiment ma mère dedans, en fait. Enfin, c'est vraiment des répliques à elle. Non, faut pas dire. Alors, je te rappelle qu'elle regarde peut-être la vidéo ce Peut-être. soir et qu'elle aussi, elle pourrait te mettre un Un procès procès au au cul. cul. Tout à fait. Voilà, je reprends ces papiers-là pour faire croire que
que j'ai des notes. Exactement. Alors qu'en fait, elles sont blanches. Attention, il y a des magiciens dans la salle. Elles sont blanches. Exactement. Je vous rappelle toujours qu'il y a toujours ce stylo à gagner ce soir pour la première bonne réponse. Et ainsi qu'un séjour d'une heure avec Karen. Et c'est bien assez, croyez-moi. Voilà. Je peux boire dans ton verre d'eau? Bah, bois dans ton verre. T'avais dit que t'allais chercher ta bouteille tout à l'heure. Oh, donc là, tu bois dans mon verre que je suis allée me chercher dans le frigo. T'as de la chance qu'il y ait des gens, parce que celle-là, elle va partir. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Un deuxième enfant, un de ces quatre. Non, mais un deuxième enfant, un de ces quatre. Pourquoi pas un troisième? Non, mais franchement, sans déconner, déjà un, est-ce que c'est pas trop, en fait, quand on... Parce que quand même, on a envie d'avoir une vie. Exactement. Parce que déjà, on se déteste. Exactement. Alors, les gens se détestent, voilà. Les gens qui nous connaissent vraiment sachent. Les gens sachent. On dirait, c'est elle qui écrit les textes de Weshden. Je voudrais que les gens sachent. Savent. Ah bah oui. Oui, du coup, là, t'as corrigé ta phrase. Je voudrais que les gens savent. Allez, hors de ma vue. Vêtu hors de ma vue. Attends, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Deuxième enfant, no way. Pourquoi pas, moi je suis prêt. Mais pas avec toi. Merde. Moi je suis prêt, mais l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, un enfant qui est déjà né, qui a déjà été bien éduqué. Voilà, qui a déjà été élevé par sa maman. Les sacheurs. Mais oui, soyons des sacheurs. Exactement. Les sécheurs. Apparemment, c'est bien parce qu'avec l'autre téléphone, ça nous permet de savoir à combien d'heures de décalage il y a entre le moment où l'on parle et le moment. Salut, Mel Bocu. Mais c'est Seb. Je sais. Salut Seb. Salut Seb, ça va Annecy? Ça se passe bien? Tu nous manques? Seb qui a réussi à pas attraper mon Covid en buvant deux fois dans mon verre. Ah ben ça tu peux le dire. Ah oui, j'ai chopé le Covid. Bon, ça m'a pas fait grand chose, hein. C'était rien. Un c'est chien. Plus la pneumonie derrière. Il y a quelqu'un qui a mis un chien. Il y a déjà un chat, on le voit pas, mais il y a une saleté de chat. Voilà pourquoi je suis toujours avec ce rouleau. Karen avait deux chats, voilà, quand je l'ai rencontré. Il y en a un que j'ai tué. Il y en a un qui est mort, pardon, accidentellement. Et il en reste un deuxième. Qui est vraiment... Hashtag catlovers. Qui est vraiment intuable, puisque j'ai tout essayé. Voilà, à part les choses bien sûr plus directes, comme le hachoir à main, ou encore le jeter avec un séchoir dans une baignoire remplie d'eau. Et comment va le chat? Bah lequel? Oui, parce qu'il y en avait un autre, il y avait deux chats à l'époque de la saison 1. Hector. Oui, Hector, qu'on a dû piquer. Voilà, je l'ai piqué moi-même et ça a été un sacré kiff, je peux vous le dire. Alors, c'est une blague énorme du coup, puisque bon, il est vraiment mort, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Surtout elle. Hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de... C'était quand même le plus sympa des deux chats. C'est le chat de la poussette, oui. Oui, c'est le chat de la poussette. Ouais, ouais, qui est super cool, c'est le genre, bah voilà, se mettre dans une poussette. Alors que celle qui reste, c'est plutôt du genre le à faire... Le démon. Pétunia, elle s'appelle Pétunia et c'est un démon. Et je pense que c'est elle qui a organisé un plan machiavélique pour tuer son propre frère. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'elle elle le felait vers la fin, parce que bon, les animaux ont quand même un peu plus d'instinct et beaucoup plus d'empathie, beaucoup moins d'empathie et de sentiments que les humains. Ce qui fait qu'à partir du moment où il était malade, bah, elle le rejetait, quoi, alors qu'ils étaient hyper proches. C'était un peu bizarre à voir, mais... Mais le fait, en fait, qu'il soit décédé et que la chatte ait continué de vivre normalement, ça te fait relativiser. Je pense que ça nous a aidé, surtout Karen, à accepter la mort, quoi. Parce que bah, tu vois que sa sœur battait le steak, quoi. Elle a pris sa place après, voilà. Donc, mais c'était un chat que j'aimais beaucoup, moi. Voilà. En même temps, avec un nom pareil. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu l'as choisi ce nom-là d'ailleurs? C'est avec mon ex. Non, alors elle plaisante parce qu'elle n'a connu aucun homme avant moi, évidemment, vous le saviez tous. Mais si, c'était l'homme de ma vie. Voilà, encore une deuxième blague, ça s'appelle un running gag, tout à fait. Voilà. Et apparemment, ils ont fait d'excellents choix de prénoms avec cet ex. Hein. Et quand vous l'avez choisi, Pétunia? En fait, moi au début, je voulais Bergamote, mais il n'aimait pas. C'est vrai? Ouais. Toi, t'aimais bien Bergamote? C'est ridicule. Ah.
C'est pire que Bétunia, hein. On va pas se mentir. Bon, alors, est-ce qu'on a des petites questions? Mais non, il n'y a pas de questions. Eh ben non, il n'y a pas de questions, les gens rigolent à nos conneries. T'arrives pas à lire, hein, de Non, j'arrive pas à lire, faut que je retourne chez l'ophtalmo. Alors, parce que moi, en fait, pour éviter... Oui, mais toi, t'as des lunettes. Alors, toi, t'as des lunettes qui sont épaisses comme ça. De quoi, j'ai un verre qui est épais. Et là, je vois très bien. Alors, attends, fais je voir. Je vois très bien les gens qui sont juste là. Fais voir ce que ça donne avec tes lunettes. En face du téléphone, voilà. Ah ouais, je vois vachement voilà. Mieux. Et Garen, je sais très bien où tu es également. ça va. Voilà. Donc, aucun problème de vue pour moi, comme vous avez pu le constater à l'instant, évidemment. Bon, ben voilà, on vous a annoncé notre saison 3. Je pense que c'est bon. Hein. On vous a assez saoulé pour la soirée. Non, c'est parce que j'assume mal. Non, au contraire. Température à Paris pour porter un bonnet. Enfin, là, je suis rasé. Il faut lire les questions dans la tête, Karen. Hein. Voilà. Pas, depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais. Comment non, vous êtes rencontrés? Je m'aime bien avec un bonnet, en fait. J'aime bien avoir un bonnet. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah, comment on s'est rencontrés? Vas-y, raconte. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, on organisait l'anniversaire d'une amie commune. Une personne que connaît Karen depuis très longtemps. Oui, depuis que j'ai 14 ans. Voilà, et dans une conversation Facebook, donc on avait, c'était un peu avant WhatsApp cartonne, et en fait, il y a cette nana qui fait une vanne dedans, et je me dis, ah, elle est super drôle. Ah la nana, c'est moi la nana. Et ouais, enfin, elle est beaucoup moins drôle au bout de 7 ans. Et, et je me dis, oh, elle est super drôle, je l'aime bien, je veux la rencontrer. Et arrive un jour où on se, où on se rencontre, et elle calcule pas que c'est moi. Non. Et elle est. Non mais parce que sur sa photo Facebook, il a pas du tout cette tête-là en fait à l'époque. Donc, si j'avais une perruque blonde sur la photo. Oui Facebook. Bah oui, t'avais une perruque blonde. Mais toi non plus, t'avais pas la même tête. T'as une tête de princesse du désert du Sahara sur ta photo. Et quand je t'ai vu pour de vrai, je t'ai tout de suite reconnu parce que je suis quand même pas aveugle. Oui mais toi t'as dit que tu t'appelais Jean-Philippe. J'arrive. Et je t'ai pas reconnu. Non ou comment j'ai dit Jean-Philippe. Oui Jean-Philippe. Mais elle m'a cru, moi, qu'est-ce que j'y peux. Salut Jean-Philippe, enfin vraiment, voilà, des Jean-Philippe, il en reste plus beaucoup. Moi, j'avais demandé s'il y avait des célibataires à cette soirée, on m'a dit non. J'avais des cheveux, ouais. Ouais, j'avais des cheveux à cette époque. Ouais, il avait des cheveux. Ouais. J'ai arrêté de mettre des produits qui les empêchent ah, de... Ah, on se fait bien avoir sur la marchandise, hein. J'ai arrêté de mettre des produits qui les empêchaient de tomber parce qu'il y a des saloperies cancérigènes dedans, donc je me suis dit, je préfère assumer de les perdre. Autant, il m'en reste quand même quelques-uns. Et ça, ça fait plaisir. Quelques-uns. Genre, là, il y en a un, là. Non. Bah, regarde, il y a quand même un peu. Quand même. Voilà. Mais je vais remettre ce bonnet parce que j'adore le porter. On dirait une sorte de hipster. Donc voilà, et on se rencontre. Donc, on se rencontre dans une. Après, je la vois dans une soirée et elle me reconnaît pas. Je lui parle, et je lui fais des vannes et elle se tourne. Ça va, Christophe? Premier degré, quoi. Et je me dis, mais attends, elle est con ou elle ne me reconnaît pas? Et en fait, il s'avère qu'elle est con. Non, elle m'a pas reconnue. C'est après, sur Facebook, je lui ai cassé. Non, c'est le lendemain que je m'en suis rendu compte. Parce que le dimanche, donc c'était une soirée un samedi soir, le dimanche, il vient me parler sur Facebook du tac au tac. Et... il me pose une question, genre drague. Donc, c'est là que je capte que non, c'est lui. Non, je pose une vraie question. Et ça, c'est les oui, meufs. Une vraie question. Les nanas, dès c'est que quoi leur ton parfum question MP, oui. MP chaud. C'est quoi ton parfum? Parce que vraiment, il chantait jamais, super je bon. Je t'ai jamais hein. demandé ça. Si. C'était par rapport à l'anniversaire de Marion. Je t'ai dit que j'avais peut-être fait une gaffe. Oui, et après, tu m'as demandé ce que c'était mon parfum. Ouais, mais j'ai pas dragué tout de suite. Je me souviens pas du tout d'avoir demandé ton parfum. Je me souviens d'avoir demandé quelque chose, une gaffe que j'avais fait sur l'anniversaire de Marion. Et alors, vous la posez pas la question, mais la question de qui est tombé amoureux en premier et a dit je t'aime? C'est moi, évidemment. Moi, l'éternel romantique. Moi, l'homme qui aime courir sur un cheval au galop contre les vagues qui balayent la plage au coucher du soleil. Et oui, c'est moi, évidemment. Le romantisme, c'est mon deuxième prénom. Est-ce que vous avez d'autres questions? Salut, maman, Dean, Laurent, Mytho. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais peut-être qu'il dit que je suis Mytho sur les balades à cheval. Sur le cheval? Évidemment. Je sais monter à cheval depuis l'âge d'aucun âge, en fait. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'il y a
des questions. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas Alors du arrête de tout. demander s'il y a des questions, parce que même s'il y avait des questions, bien Je ne sûr, les vois pas. tu ne les verrais pas, puisque tu n'arrives pas à lire sans tes lunettes, et même avec tes lunettes, tu n'arrives pas à lire. Donc je vais prendre ces fausses fiches que je vais remuer devant mon nez, voilà, comme ça, et voilà. Et vous, alors pendant le confinement, qu'est-ce que vous faites? Vous, on aimerait bien savoir, hein? Voilà, et là, on va plus parler pendant 17 minutes et vous allez nous répondre tout à fait. Peut-être qu'ils peuvent nous répondre en commentaire sur nos petites photos. Ah. Dernière édition de ce Peter Pan que ma fille a retrouvé dans mes vieux cartons d'enfant. En fait, c'est marrant parce que quand on est gamin, on se dit, je vais garder des trucs pour mes enfants plus tard. Et on ne voit pas que ça arrive. Et puis finalement, voilà, elle a trouvé ses livres et elle a décidé de les prendre. Voilà, une anecdote toute On bosse. passionnante. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? On bosse. On Ben bosse. Où voilà. sont les enfants, Laure? Où sont les enfants, Où Laure? as-tu réussi à... Bah peut-être chez des grands-parents. Regarde, nous on n'a pas la possibilité de les mettre chez des grands-parents, mais eux peut-être qu'ils mettent chez les grands-parents. C'est vrai. Et du coup, tu te barres bientôt chez ta mère ou pas? Je sais pas. Il y a du suspense, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Je rappelle qu'il y a toujours ce stylo, Bic, hein, voilà. Pas de confinement, évidemment, les Je suis profs. prof, bravo les profs! Eh oui, enfin bravo, ils en chient, hein, parce que donc les enfants, ils peuvent être qu'à contact, mais pas les profs. Hein. On dit aux enfants de rentrer chez eux, mais les profs sont obligés de rester bosser. C'est une honte. Non mais de base, ouvrons le débat, les instits et les profs, c'est quand même un des métiers les plus qui devraient être plus gratifiants que ça au quotidien, Valoriser. quoi. Valorisés, surtout depuis un an, depuis le confinement, sans déconner, quoi. On a déjà du mal à... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est un Bien sujet qui me sûr, tient à cœur, hein, nous bon. flirtons avec l'islamo-gauchisme, bien sûr. Et oui, votons Mais Mélenchon. non, mais sans déconner, on n'y arrive même pas avec une gamine de 3 ans et demi à lui faire faire deux traits à Ah non, mais l'horizontale. moi j'ai de l'admiration pour les profs. Et là, on se rend compte, les gens qui ont été obligés de faire les professeurs d'école chez eux avec leurs enfants, c'est un taf de ouf. Moi, Et j'ai. les assistantes maternelles, Les asthmates, bravo! ouais. Merci d'être là. Ah bah clairement, en plus les asthmates, c'est celles qui sont obligées de dresser des enfants. Qui appellent des enfants. D'ailleurs, c'est quoi les prénoms d'enfants aujourd'hui qui marchent bien? Les Ah non, faut prénoms pas les dans dire. Faut les pas le pré... dire parce que on peut heurter, bien sûr, les sensibilités. On vient de recevoir des news du Covid qui dit eh oui, je suis toujours présent, je vous emmerde, vous n'êtes pas prêts de partir en vacances. Voilà, dernière news du Covid à l'instant qui nous écrit en direct. Ça Ah, fait t'as combien? bu toute mon eau en fait. Ouais. Tu veux que Mais j'aille non, mais te rechercher? non, je vais y aller. Mais donc toi, tu considères pas que j'ai un peu soif aussi, alors que je parle comme toi en fait. Ouais, sauf que bah Ah, c'est toi tu. la star. Ah, ton père est un con, c'est toi, alors c'est toi la star. Alors Non. tu bois mon eau. Écoute, si t'as décidé de faire un monologue, je te laisse parler. Voilà. Je m'absente, je vais chercher de l'eau. Voilà, c'est ça. Fous-moi le camp. Personne est relativement collant. Fous le camp. Tu dégages. Voilà, pardon. Je me suis un petit peu enflammé. Je rappelle que la saison 3 arrive très prochainement avec des épisodes qui ont été tournés en 2 ans. Voilà, donc on n'est pas raccord. Hein. Heureusement, on a tourné toujours un épisode entier à chaque fois, mais allez, déjà de retour. Oh là là. Allez, fais-moi de la Vivement, ton place. père est tout seul. Bien sûr, prochaine saison. Ton père est Ton père divorcé. est tout seul et triste parce que Ton ta père femme s'est fils. barrée avec ta fille. Et n'oublie pas le chat, surtout, parce que je n'en peux plus de le voir, celui-là. Exactement. Ça fait combien de minutes exactement qu'on Eh est ben, je avec pense qu'on nos amis? va dire bonsoir à tout le monde. C'était pas mal ce truc-là. Bah ouais, c'était Ça cool. fait plus d'une demi-heure? Ah, mais ça fait bien plus d'une demi-heure. Est-ce que quelqu'un a une montre? Il est C'est 22h14. 45 minutes. 45 On y minutes prend qu'on du discute avec plaisir à ça. C'est vous. sympa C'est sympa de d'être discuter avec venu là. vous, d'interagir. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on s'en Salut, refera. comment tu vas? Moi, je m'appelle Jean-Philippe, tout ça. On s'en fera un et peut-être même qu'on préparera cette fois-là. Bon, on avait Il préparé un faudra. petit peu quand On même. avait préparé quand même un petit peu et peut-être qu'on aura d'autres ustensiles à vous présenter. Voilà, ce hachoir en plastique. Également, ce rouleau qui permet d'enlever les poils de chat. D'ailleurs, si vous avez des chats, n'hésitez pas à nous en faire part. Cet objet qui permet d'enlever tout ce qui est poils de laine. Ça, c'est génial. Hein, c'est un truc hyper déstressant. Bonne question.
Que pensez-vous des écrans avant 3 ans? Et ben, moi je suis devenu ouais, assez parano avec ça et je me sens rapidement coupable quand elle regarde les écrans trop longtemps. Et du coup, On a établi une règle. on a refait marche arrière là. La télé, c'est un jour sur deux, une demi-heure. Voilà. Et si jamais on se rend compte qu'elle est un peu retardée ou qu'il y a des conséquences, Non, mais parce qu'elle le sait, on hein. diminue, on n'arrête pas depuis qu'elle est gamine, on n'arrête pas de On lui lui dire. explique qu'elle va devenir débile, sinon. Enfin, débile. Oui, si, que Ouais, son non, cerveau, c'est il pas le va. mot. On essaie d'expliquer, voilà, que ça a des effets négatifs sur le développement du cerveau. C'est une réalité scientifique. Après, évidemment, c'est génial. C'est horrible que ce soit le cas parce que, quand même, un enfant devant un écran, bah, il se tait. Il se tait et il ne fait pas de bruit. Et malheureusement, comme toutes les choses qui nous soulagent dans la vie ou qui nous font du bien, hein, les pizzas, les hamburgers, les écrans pour les enfants, et bah, c'est mauvais. Voilà. Donc on est passé à un jour sur deux, 30 minutes, elle l'accepte bien. Là, aujourd'hui, elle a essayé de nous avoir en disant j'ai pas regardé la télé hier, donc aujourd'hui je peux la regarder. Elle parle pas vraiment comme ça, elle a l'air plus intelligente que moi. Mais du coup, elle essaye et pour le coup, bon bah voilà. Alors, il y a Ulysse38 qui est professeur des écoles qui nous signale que plus l'enfant est petit, plus l'écran doit être grand. Voilà. Merci Ulysse38. Merci Ulysse38, le 38, une région dans laquelle on dit chocolatine. Voilà. Merci pour l'eau, bien sûr, Karen, c'est sympa. Ah bah, le prochain live, on prendra deux verres d'eau. Il est sale ton verre, t'aurais pu le nettoyer avant de me le donner, J'ai bien sûr. craché dedans. Moi, je vais cracher dedans avant de te le rendre, on verra si ça te fait marrer. Est-ce que, alors, tac tac, elle va finir par vous licencier en tant que parent? Bien peur que ça Non, arrive. mais il y a 2 jours, c'était il y a 2 jours, où je l'ai frustrée sur un truc, elle m'a dit, de toute façon, t'es pas la meilleure des mamans. Ah oui, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle l'a pris hyper mal. Elle s'est barrée, elle a claqué la porte et elle allait prendre sa douche. Parce qu'en fait, Karen est très susceptible, alors que moi, pas du tout. Alors, je l'ai très très mal pris. Je suis partie prendre une douche pour me calmer. Et ensuite, elle est venue me voir et on a discuté. Et je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, je suis peut-être pas la meilleure des mamans, mais sache que je ferai toujours de mon mieux. Bon, elle m'a cru, hein, mais... Et moi, je suis allé aux toilettes pour faire caca juste après. Voilà. mais c'est vrai, je l'ai mal pris. Faut mettre l'ego de côté hein, quand on est parent. Ouais, faut mettre l'ego de côté tout le temps, de toute façon, dans la vie, parce que sinon, on déteste les gens, on rumine, on est plein de haine et de colère. Voilà, c'est très difficile à faire. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Karen, c'est une horreur. Non mais arrête, toi aussi quand elle dit t'es pas beau ou t'es plus mon papa, Elle c'est... m'a jamais dit t'es pas beau déjà. Mais Elle a dit je veux changer de papa. Oui, mais ça me dérange pas. Viens maman, on trouve un nouveau papa. Oui, elle le fait aussi avec toi. Mais ça, en fait, ça me dérange pas. Je trouve ça mignon. En fait, c'est ça qui est magique avec les gars, c'est qu'on est trop mignon. Quand elle aura 15 ans et qu'elle me regardera peut-être avec un regard plein de haine et qu'elle me méprisera, là, je pense que ça me touchera un peu plus. Parce qu'elle aura quand même une expérience d'être humain. Elle aura réussi à percevoir mes failles, mes défauts. Et ouais, là, ça aura peut-être pas la même valeur. Et encore, je suis pas certain qu'il y ait une rupture avec mon enfant à l'adolescence. En tout cas, j'espère pas. Voilà. Motivez-vous, ça veut dire aussi qu'elle veut un petit frère. Eh Eh, on bien, se calme tout de suite. justement, une excellente nouvelle, c'est que je vais avorter en direct Karen pour être sûr de ne pas avoir un deuxième enfant. Non, c'est Voilà. pas prévu le deuxième enfant. Pas du tout. Ne sois pas catégorique comme ça, il faut faire durer le Ah non, regarde! suspense. Bonjour Olive Banane, super Salut! pseudo! C'est mon pseudo préféré de la soirée, donc Wesh! voilà. Ça va? Eh ben t'as Vous tout avez passé une bonne loupé. soirée? On se connaît pas, mais t'as tout loupé. On a annoncé qu'on allait faire une saison 3. Salut mon Ludo! Il y a des copains, des gens qu'on connaît pas, tout ça, c'est trop cool. Voilà, j'ai tué plusieurs personnes ce soir durant cette émission. Mais Voilà exactement. Ça fait déjà combien de temps ça qu'on est fait en direct déjà, là? c'est lequel le parent le plus cool? C'est moi. Bah évidemment, c'est moi. C'est moi. Non, mais il est tout le temps C'est moi à énervé. mort. Ah, parce que toi, t'es jamais énervé.
Si, je suis énervé aussi, mais toi, toi-même. Je pense qu'on est pareil, parce que Mais honnêtement, pas, on est pareil, mais pas au même moment. mais pas au même moment, Ouais. donc on est tout le temps vénère, parce qu'on est gémeaux tous les deux. Alors, si tu commences à faire rentrer l'astrologie là-dedans, on va passer pour des Eh branquignoles. Tu oh, vas. ça va Nostradamus, je dis juste qu'on est gémeaux tous les deux. Non, mais le meilleur argument de Karen, on est tous les deux un petit peu machin parce qu'on est gémeaux. Voilà, et là on passe dans la catégorie Sauf voilà, que dans pour laquelle on ne veut reprendre la pas question, passer. c'est moi qui suis la plus cool. C'est moi qui suis le plus cool, les gens le savent, ça se sait. Arrêtez de mentir aux Français, Karen. Les Français ont le droit de savoir la vérité. Voilà. Très bien. Merci pour cette question. C'était génial. Lequel est le plus autoritaire entre les deux? C'est une bonne question. Je pense qu'on est à peu près tous les deux super autoritaires, non? Déjà l'un avec l'autre. Ouais. En fait, on est un peu trop pareil. On est Mais gémeaux. pas au même moment. Non, mais arrête avec ton argument astrologique là. T'as encore bu tout mon eau. Tout Ouais, mon bah tu eau. bouges ton fion et puis tu vas te servir un verre d'eau, voilà, et tu nous emmerdes pas. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par Kezak, Kessé Apelorio, Kezak, bien sûr. Voilà, d'autres Bah, le questions, plus Karen? autoritaire, voilà. Je pense C'est qu'on Karen, est. c'est le chat. C'est le chat. Oui, c'est le C'est le chat. chat, et le chat, voilà, parce que le chat, quand il te parle, quand il veut quelque chose, c'est sensiblement, il met pas des formes, Elle quoi. te regarde, elle fait pour un câlin, pour des croquettes, pour de la pâtée, pour. Voilà, sans émotion, sans âme, voilà, le chat, il veut tuer de la merde pour lui. C'est beau l'amour, c'est vrai, exactement. Et nous allons tout de suite régler ce problème. En ligaturant bien sûr les Les trompes trompes de de Karen. Fallope. De Mais je m'appelle Fallope. Karen. Elle Bon. est bien cette vanne. Excellent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui est le petit malin qui a donné comme nom à ces trompes, les trompes de Fallope, quand même. Je Bah, pense c'est que sûrement un grand un sage homme. grec. Oui, ça vient de Fallopus. Fallopus qui veut bien dire quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais J'ai pas. complètement arrêté de parler grec il y a quelques années. C'est vrai que c'est un En nom même temps, vous que vivez je ne chez le connais. chat, oui. Bah oui, on vit toujours chez son chat, Exactement, en on vit fait. chez son chat. Mais bien sûr, ce problème va se régler très prochainement grâce à ce petit ustensile qui permettra de lui trancher la Vous gorge êtes trop cool assez tous les deux, rapidement. ne changez pas. Merci. Toi aussi, t'es trop cool. Rejoins-nous. Et tout de suite, je vais tuer ce chat en direct. Ah non, on va être signalé, pardon. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Lequel des deux se met dessus? Ça veut dire Se fait quoi? dessus. Se fait dessus? Ah, se fait dessus. Bah, c'est le chat, Non, se toujours. met dessus. Monsieur Ah. Fallop lui-même. Merci, Maître Capello. Monsieur Fa. Ah, mais c'est bien possible en Eh ben, on plus. regardera Le après le professeur live. Fallop. Ouais, professeur Fallop. Fallop, C'est hein? quelqu'un qui avait un sauvé sur la langue, Ouais, c'est c'était possible. professeur Fallop. Professeur Fallop, Mais. un feu sur la langue. Un sauvé sur la langue. Voilà. Lequel des deux se met dessus? Je comprends pas. Se met dessus. Ben, je sais pas, Peut-être en je peux. position sexuelle, Ah, en peut-être. position sexuelle, c'est moi sur lui. Pas de ça sur Instagram, bien Ah oui, sûr. non, pas de Les ça, pardon. cochons seront bien T'es gardés pour ne pas interdit! être censurés, bien sûr, par le master. Non, sérieusement, parlons de ce hachoir, d'où vient-il? Alors en fait, il vient d'un vieux costume, un truc que j'ai dû acheter il y a 15-20 ans, un masque de Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13, un masque qui est fluorescent dans la nuit, et avec, il y avait ce hachoir, voilà, un hachoir en plastoc, que j'ai décidé de sortir ce soir, et que je sors régulièrement également pour punir l'enfant, car il tranche extrêmement bien, voilà. Je coupe également le gigot, mon steak, et même si je suis de plus en plus vegan, ce petit hachoir me sert quand même un petit peu de temps en temps, bien sûr. Très bien, Voilà. parfait. Bon, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est pas On a mal. passé un bon moment en tout cas, on s'est bien marré. C'était bien sympa, ouais. Merci d'avoir été là. Voilà. Ouais, c'était cool. Alors tout le monde n'est pas resté au fur et à mesure. On est quand même monté jusqu'à 16 à un moment donné, hein. Attends, 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 on nous Ah, parle c'est cool encore. ça. En live, vous les menacez de quoi quand ils ne veulent pas dormir le soir? D'ailleurs, c'est rassurant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont 12 000 abonnés qui font des lives à 25 personnes. Donc on s'est dit, bah, nous, on va essayer, voir un petit peu ce qui se passe. Et Salut bah, c'est cool, Florite! on est content que vous fûtes été là, bien sûr, que vous fûtes été là.
passé simple du verbe être, tout à fait. Alors, il y a une question de parents intéressante. Ah, hein, c'est parti. Vous les menacez de quoi quand ils ne veulent pas dormir le soir? Alors, il y a un débat, parce que moi, je suis prêt à aller assez loin avec ça. Je la menace que la sorcière ou le monstre, ou même que je vais la faire cuire après l'avoir mis dans le four, bien sûr, comme ce dans... ce qui calme, bien évidemment, beaucoup l'enfant avant de dormir, vous imaginez bien? Ce qui me fait beaucoup de bien, en tout cas. Parce que l'important, c'est surtout de soulager ses nerfs. Puisque quand ma fille, bien sûr, prendra un traitement chez le psy, je ne serai plus de ce monde, donc ce n'est pas mon problème. Bonne chance. Voilà, pour les menaces. Non, moi, quand elle ne veut pas dormir, je lui dis que je vais la priver de câlins, je vais la priver d'amour, qu'on va l'abandonner sur une aire d'autoroute, l'attacher à un arbre en forêt. Ah, un arbre si, en feu. On lui a déjà dit... On lui a déjà dit qu'on avait appelé une nouvelle famille. Ah oui, ça c'est un vrai truc qu'on a fait, parce que les trucs d'avant c'est pas vrai. Mais on a déjà dit qu'il y a des nouveaux parents... qui allaient venir la chercher, ouais. Et que nous on allait prendre un nouvel enfant. Un enfant plus sympa. Je crois qu'on va être appelé par les maternelles et qu'ils vont nous dire que c'est pas possible. On va nous retirer l'enfant. On va nous retirer l'enfant. Non, et puis au début, elle, évidemment... Non, en fait, ce qui est cool avec notre enfant, même si elle a 3 ans et demi, c'est qu'elle a déjà capté une sorte d'humour et elle voit dans notre visage... Complaisante, et je pense qu'elle doit se dire, ça me rassure beaucoup, mais c'est pas possible, vous êtes complètement con, jamais vous pouvez m'abandonner. Je pense que notre fille a déjà tellement confiance en elle qu'elle sait qu'on peut pas l'abandonner, et elle a dit ouais, sauf ouais que c'est exactement ce que je vais faire la semaine prochaine, et ce n'est pas elle toute seule que je vais abandonner, mais également Karen qui va se retrouver maman célibataire avec un père qui a disparu. Je vais m'inscrire sur Tinder. Sur Tinder et Happn, comme ça tu pourras pécho des mecs qui seront directement dans ton quartier. Ah, j'ai cru que tu allais dire qu'ils seront directement dans ton cul. C'est très grossier. Voilà pourquoi ce couple ne peut plus durer. Non, on ne peut plus durer. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Salut Kamout. Bah, c'est parce que le film du soir est terminé. C'est ça, mais ça fait déjà... presque une heure. Presque une heure bien sûr bien remplie. Karen, est-ce que tu peux aller nous faire des tisanes pour qu'on dorme bien? Ben non, mais en fait ça fait 3 fois qu'on dit au revoir et en fait il y a tout le temps plein de gens qui reviennent et c'est super cool. Alors c'est Happn et pas Happn. Mais il y connaît rien, il est trop has-been. Flory, il va très souvent sur ce site puisque son mec n'existe pas. C'est un personnage imaginaire. On le sait. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Je vais installer immédiatement cette application directement sur mon téléphone pour trouver la vraie femme de ma vie, qui habite certainement pas plus loin que l'appart d'à côté. Je suis dans mon lit. Dis donc, c'est une invitation, ça ? Karen, tu sais me parler. T'essayes de draguer mon mec ? Alors, Karen, que fais-tu dans ton lit ? Quels vêtements portes-tu ? C'est la question que tout le monde... Tu es un des seuls à l'avoir vu. Eh bien, bon. Je crois qu'il est temps d'en finir avec ce live. Ah, j'ai un flou. Parce qu'on a des petits comptes à régler. Bah ouais. Non, mais c'était cool. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On le refera parce que nous, on s'est marrés. C'était bien sympathique. Kamout nous dit que Happn, c'est bien. Ah. Voilà, donc j'ai plus cette chance. Eh bien, je vais l'installer directement sur ton téléphone afin que tu me foutes le camp. Voilà, exactement. T'es en retard, Karen. Oh là là, il y a plein de gens qui rejoignent la vidéo, mais on va être obligé de couper. Ils vont nous prendre pour des gens qui sont pas super sympas. Mais on a une vie aussi, hein. Alors bon, faut arrêter, hein. Karen exagère un petit peu. Non. Karen, je te prie de prendre la porte et de sortir de mon live. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Eh ben moi, je vais aller dans mon lit et puis je vais aller continuer de remplir mes tableaux Pinterest. Et moi, je vais me décrotter le nez à la main. Parce que l'artisanal, c'est important. Bon, on dit au revoir. Ouais, sauf que je ne sais pas sur quel bouton... Ah, tu vois, bisous, ils en ont marre, ils nous disent bisous, au revoir avant. Salut tout le monde. C'est comme ma grand-mère quand elle dit, ouais, bon, salut. Bonne camomille. Non, bonne camomille. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut, merci d'avoir été là. C'était trop cool, merci. Et bientôt la saison 3. Qui arrive. Elle est déjà tournée, elle est déjà montée. On est en train de faire le teaser. Je vous laisse avec cette chorégraphie de Karen. Voilà, je vous laisse admirer le spectacle.
À très Allez, bientôt. Salut tout le monde, vas-y, coupe. Salut. Coupe. Non, je coupe pas. Non, je coupe pas. J'en ai rien à foutre. Coupe. Mais. Bisous tout le monde. Salut Ciao. tout le monde. Ah, il a compris qu'on voulait mettre fin à la vidéo.